Bonjour et bienvenue dans The Bending of Saga of the Lost Legacy Challenge, où les derniers runs ont été pas très bons niveau score et puis au niveau contenu, c'est un peu triste. On va essayer de mettre un peu de sel dans cette histoire avec Azazel. Oh, direct. Aucun des deux. Si, lui à la limite. Sanitem actif. Une TP, c'est bien. On peut éventuellement en faire quelque chose ou le remplacer. Et on a les clés infinies. C'est déjà bien. On charge le tir et c'est pas la peine. On va affronter le boss tout de suite. On va attendre qu'il tire pour pas se prendre un coup bêtement. Voilà. Encore une. C'est le Ragman le plus rapide que j'ai jamais vu. Je vais finir les tâches tellement ça a été rapide. On a une bombe pour une salle secrète, mais honnêtement, il faudrait la trouver pour ça. Et elle pourrait être à beaucoup d'endroits, y compris à côté du magasin. C'est gratuit d'entrée, on regarde. On va garder la bombe hein, sous le coude. On va attendre que lui se prenne. Voilà. Stratégiquement, c'était pas mal. Hop. Et hop. Premier étage fait. J'ai pas vu de Nintendo Rock. On va vite faire. Non. Eh bien, écoutez. Premier étage. Ah, on avait un TP. Ouais, mais c'est un TP aléatoire. C'est un TP pourri, ça. Undefined. C'est pas très intéressant. Et on a bien fait de garder de la bombe. Quel sera cet objet? Infamie. C'est très bien, ça. Ouch. Je pensais que j'aurais le temps de le tuer avant, mais... Oh, pin. Je n'ai pas eu le temps. Voilà. Sans intérêt, on continue. Eh, 2 minutes, on a déjà commencé l'étage. 2. C'est pas mal. Ok, donc toi, tu vas être très chiant, donc voilà. Eh, franchement, pour l'instant, ça avance. Je sais pas si on est efficace, mais ça avance. Ça c'est risqué, mais on est courageux. C'est un HP. C'est acceptable. Bon, on s'est pris un coup tout à l'heure, c'est vrai. On pourrait faire mieux. On aurait pu faire mieux. Mais bon, c'est... faut bien se prendre des coups des fois pour... Oh bordel. Non, c'est bon, ça n'affecte pas ce personnage. On n'a plus de bombes, donc voilà. Oh, j'ai failli m'en prendre une là. Ça aurait pas été cool. On a 4 centimes, le magasin, allez, soyons fous. Il y a une bombe pas chère, on va prendre la bombe pas chère. Ensuite, on se met à l'abri du danger. Comme ça, on ne craint rien. J'avoue que j'apprécie de ne pas être en danger. Ok, alors eux par contre, ils vont se mettre à courir à un moment tout seul, ou mourir. Manifestement. Bon. Ah, Dion. Ok. Parfait. Un peu tôt, c'est pas grave. On va éviter la Wimstone que lui balance. Et les tirs éventuellement. Et il va mourir là. Parfait. Ok, tout va bien. 2 items, on peut en prendre. Enfin, on peut prendre les 2 techniquement, mais ouh, c'est bon ça. Ça, c'est moins bon. Va falloir être attentif. Ça, c'est le genre de truc qui peut se transformer en bombe et exploser dans notre bouche à tout instant. Ça peut aussi être positif, mais on va être honnête, c'est plutôt le piège. J'ai pas envie de me faire toucher par ces trucs. Voilà. Et voilà. On se sert pas beaucoup du TP. En même temps... Oh. Ok. Ok, on va faire ça. Bon, on va pas regarder, mais Bookworm, ça fait du bien. Book of the Dead et Book of Sin. The Sun, on a la map, ça fait pas de mal.
Lequel on garde? Book of Secrets ou Book of Sin? Book of Sin va nous donner plein de consommables. C'est probablement le meilleur choix. Le meilleur choix. Bon, en même temps, allez hop. On part sur Book of Sin. Genre le Book of the Dead aurait pu être sympa pour avoir plein de protection, mais... ok, pourquoi pas. On vient de gâcher une item room, là, concrètement. Mais bon. Voilà, anti-vaisselle qui se croque. Ça fait pas de mal. On n'a pas de clé, on peut pas entrer dans le magasin. Et peut-être que Book of Sin, quand il sera rempli, il nous donnera une clé. Ok, ça c'était mauvais. Ok, donc le premier étage était fun, rapide. Le deuxième étage va être punitif apparemment. Le troisième étage d'ailleurs. Puisqu'on en parle. Tac. Si. Pas de batterie, Argo Wizard. C'est pas très intéressant tout ça. Fait. Quoi? Et ok. Bon. Hop. La mauvaise surprise. Ça, ouais, on a plus de bombes donc c'est triste. Je vais garder la chance plutôt que l'autre truc. On sait jamais, ça peut être utile. Ouch. Si on a un bon truc qui prog bien, ça peut être utile. Ça, c'est un item de deal. C'est pas le meilleur. Ok, on n'a pas assez de vie pour tout prendre. Il faut avoir de la moule. C'était pas de la moule, ça. Il n'y avait pas un bouquin intéressant, non. Bon. Pas moyen de charger l'item non plus. Bon. Un petit cœur pour prendre un item de plus, si c'était encore possible. Bon, on va dire que non. Et tant pis. De toute façon, c'était pas possible. Betrayal. Entre Ghost Baby et Betrayal, je sens que cet étage, on a bien raté le coche, quoi. C'est un peu triste. C'est un peu triste. D'ailleurs, pognon. Écoute le jeu, tu peux pas me donner être cool pendant un instant et puis ensuite devenir un vrai pourri, quoi. C'est pas normal, c'est pas gentil. C'est pas cool. Genre on a eu un bon, deux bons premiers étages et puis après, ah Joker. Mieux déjà. Ouais, on va pas retourner chercher du pognon, c'est chiant. Ok. Ok. What? D'où ça m'a touché ça? Putain, j'ai dû la toucher sur le dernier pixel où elle était pas morte. Quoi. La boulette. Bref. On a une clé cette fois. Ok, Bogobomb ou de la vie. On va jusqu'à Hit Lives. On va prendre les deux. On va prendre de la vie. J'aimerais autant ne pas mourir bêtement. C'est un truc que je fais assez souvent et que c'est pas très bien en fait. Ok, ça c'est inutile. Ouais, on a quand même Azazel, hein, donc ça devrait nous aider à nous en sortir correctement. Même si je dois me coller au mob à chaque fois pour faire quelque chose. Ça fait partie du personnage. Sauf si on trouve la vraie Brimstone. C'était peut-être à l'étage d'avant, auquel cas... foutu. Ok, Bob's Brain d'occasion. On est attentif, hein. Ok, coucou, t'es mort. Coucou, t'es mort aussi. Coucou, hop, 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 hop. Il a eu le temps. Super. Vraiment les meilleurs items du jeu, hein. On va aller dans un beau paquet cadeau. Parfait. Ça, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est peut-être point d'interrogation, mais j'ai pas retenu. Donc. Je devrais faire gaffe quand je... J'ai bien raté mon coup, là. Je devrais faire gaffe quand je prends une pilule. À ce que c'est. Parce que si c'est point d'interrogation, faut que je me souvienne de plus la reprendre. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais, alors, ça, lockdown. Super.
Super. Bon, cette tâche, c'est pas autant la folie que... Hein? Voilà. La salle secrète, ça va être compliqué. Peut-être pas. Allez, on va à droite. Voilà. Merci pour les bombes. Merci pour les araignées. On a un genre de Little Brimstone. On a eu le magasin, ouais. J'ai peut-être pas pété le shopkeeper dans le magasin. Ouais, j'avais pas pété le shopkeeper dans le magasin. Je me ramollis. Je deviens gentil. Ok, toi. Ouais. C'est pas du tout le meilleur item du jeu, mais c'est quand même vachement pratique quand il y a des ennemis. Hop là. Parce qu'en fait, ça tourne autour des ennemis, donc s'il y a plusieurs ennemis, ça les... comment ça s'appelle ? Dommage. Ça tourne autour d'eux et ça touche les autres, en fait. C'est pratique. Donc ça, c'était... intéressant. Ok... Donc on va se suicider, hein, y a pas de discussion. Ça fait mal, mais c'est bon. Et on est à Azazel. On vole parce qu'on a un petit vaisselle. Mais on n'a plus la brimstone, ce qui est peut-être bien, peut-être pas bien. C'est à discuter. On est à quel étage là, Depth One? Ouais, ça va. Au niveau chrono, on est bon. Faut que je me souvienne que j'ai pas besoin de relâcher le tir pour tirer. Parce que c'est une habitude qu'on prend vite, hein. On a aussi beaucoup d'orme, occasionnellement. Et honnêtement, le fait de pas avoir la brimstone va peut-être rendre le run plus facile. Donc, elle fait très mal, elle tique beaucoup. Mais en même temps, on se colle aux ennemis et c'est pas génial selon la manière de jouer de certains. Bon après, si on trouve la vraie brimstone, c'est pas le même problème, quoi. Touling. Ok, trop de mouches. Trop de mouches, tue la mouche. Ouais, j'active direct l'objet, j'essaye pas de l'économiser parce que c'est beaucoup de gestion pour pas grand chose. Hop, 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 hop. Ah, lui il va pas charger parce qu'il a peur. Bordel, mais pourquoi je leur fais peur là? J'ai pas pris d'items qui font peur. Bizarre. Vous savez quoi? Je prends les boosts de dégâts. Ouais, j'aurais cru. Là, concrètement, je vais arrêter de me servir du Book of Sin, mais je vais avoir un boost. Et c'est vachement intéressant. Plutôt que d'avoir des consommables. En gros, je m'en servirai que quand il y a une batterie devant moi. Et on va prendre ça. Parce qu'objectivement, je me fais toucher souvent. Donc. Ok, ben on va reroll un peu. On va reroll vite fait. Hop, hop, hop. On va arrêter de tirer. Parce que c'est gâché. C'est pas stratégiquement intéressant pour l'instant, mais... J'aime bien Carbatory. On va s'arrêter à ça. Et puis il y a des items avec lesquels c'est tellement efficace d'avoir Carbatory. Que si on tombait dessus, ce serait... Des items qu'on prend pas en temps normal deviennent intéressants avec Carbatory, par exemple. Vous voyez là, par exemple... Bon, j'aurais peut-être pas dû faire le dernier coup. Mais le bouquin là était vachement intéressant. Donc voilà. Bon, par contre, je viens de tuer mon boost de stats, mais c'est pas grave. Il va revenir. Peut-être. Par contre, ouais, on va loin. Ouais, il y a le boss, il y a plein de salles qu'on n'a pas faites. Du coup, je sais pas. J'aimerais bien finir ce que j'ai commencé. Merci. Toi, est-ce que t'exploses aussi? Oui. Fais des modèles explosifs. 12-43, Depth One, on peut finir l'étage. Je pense, on va avoir un boost de vitesse, si je me trompe pas, dès qu'on aura fini la prochaine salle. Donc, il y a beaucoup de crânes là, quand même. Non. Donc, on va tenter la salle de combat. Non, on va pas tenter la salle de combat. Tant qu'on a qu'un cœur gris, c'est pas une bonne idée. La salle, ouais, la Curse Room, pas du tout la salle de combat. Allez, allez.
Mais sérieusement. Sérieusement, quoi. Le machin, il nous a pété à la figure. Enfin bref. Salle de combat, on l'a déjà faite. Ok, alors. Prenez-vous des coups, s'il vous plaît. De préférence sans répondre. Mais bon, j'exagère un peu. Ouais, on a un boost de vitesse, c'est bon ça. Toulou, toulou. Wish. Très bien. Wish. Très très bien. Wish. Totalement pourri. Et pas push. Pas push. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, conférence. Et toi, plein de pognon. Mieux. Donc, on va y aller. On tente la Curse Room, ouais. Il y a plein de vie. On peut tenter la Curse Room. Pour. On va dire pour l'exploration. La salle secrète, est-ce que. Ouais. Je vais vérifier au but statistiquement. Il y avait de la chance que ce soit là. Hop. Merde. Non, alors jaune et noir, faut plus prendre. Jaune et noir, c'est mal. On va quand même tenter l'autre salle. Ici. Oula. Parfait. Mais. Bon, jaune et noir la pédie. Retenez bien. Ok. Ok. Meurs s'il te plaît. Plus vite. Merci. Ok, ça c'est plein de vie, donc c'est cool. Ça c'est. Oh. C'est con que j'ai pas un cœur rouge, c'est cool. On va pas prendre combien de conception, mais. Pour rester en. Pour avoir plus de chances de rester en vie. J'espère juste que je vais pas le regretter en faisant toucher dans tous les sens. Ça devrait aller, je veux dire là on a quand même un bon truc. Si on arrivait à choper un cœur rouge, on perdrait un petit vaisselle, mais on aurait l'autre boost. Donc ce serait pas grave. En gros, 0 à 1 cœur rouge, on est gérable. On s'en sort. C'est vrai qu'un petit vaisselle, c'est pas un boost de stats, je crois, donc. Me semble. Donc c'est pas transcendant non plus. Ça nous permet de voler. C'est pratique quand même. Ah, super. Voilà. Et elle a pas eu le deuxième crâne, c'est pas grave. Ouh, Bob's Brain d'occasion. Merci de ce. Hop. Oui. Bon, c'est. Bah, 5 centimes cadeau, quoi. Ça va. On va pas dire non. Ça, c'est une salle qui sert à rien. Mais. Comme on l'a fait vite, elle rapporte. Ça, ça pourrait être un cul-de-sac, hein. Le jeu nous a fait pire déjà. Voilà, quand j'ai le temps de réfléchir, on peut gérer le truc. Il faut juste avoir le temps de réfléchir. Magasin. Nah. Ouh. Bon. Il y a plein de billets, mais. Vu qu'il n'y aura pas Hush, c'est un peu dommage. Sauf si on trouve Money et Quals Power. On a 16,39 dans Depth 2, on peut finir l'étage. Par contre. Sauf si on se fait attraper par le machin. Il est pas jaune, c'est bon. C'est bon, ça discute. Paf. Salle secrète. Shopkeeper, deal with the devil of Meliore. De Meliore, oui, il y a pas toutes les syllabes dans le mot, mais. Il y en a d'autres qui prennent la place entre temps, ça fait le travail quoi. Il y a une salle de combat qu'on peut faire. Là-bas. Et qu'on va probablement faire d'ailleurs. Ouh, rune bag. L'occasion de tomber sur une ruine Ewaz. Pour aller plus loin que Heat Wave. Ok. Alors c'est con. J'ai pas assez de vie pour prendre ni l'un ni l'autre. C'est ballot. Alors on va pas faire ça tout de suite.
Peut-être que si à la fin on gagne de la vie, on peut tenter. Allez, attaque. Faut surtout pas en perdre. Nope. Allez, on attaque. Et voilà. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pas de vie, ok, toi tu dis quoi? Cool else. Et l'autre, je sais ce que c'est. Bon. Par contre là du coup on devient limite, je vais faire la grande salle. Parce que je pense pas qu'on est. Ouais, elle va être rapide. Ouch! On a perdu de la vie. C'est triste. Avec le pognon, on pourrait faire le truc, faire la jouer la machine, mais ouh, ça va être compliqué ce seul. Avec le tracteur au milieu, ça va être compliqué. Voilà. Algies, ok. Donc, qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense? Rien. Ok, donc. On pourrait jouer la salle en haut pour gratter du pognon, de la vie, pardon, là, ça. Sauf que si ça paye pas très vite, on va y aller parce que j'ai besoin de... de faire boss rush. Ok, c'est de la merde. Donc on va juste espérer que... Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on va espérer parce que déjà la boss rush ça va être compliqué. 30 secondes pour tuer Mom. C'est par là en plus. C'est compliqué. On va essayer. Même pas 30 secondes d'ailleurs. Allez. Allez. Aïe. Allez. La boss rush aussi va être compliqué, mais. Bon. Bon, le deal ne s'est pas ouvert, ce qui est une assez bonne chose en fait. Alors, le damage up ça donne de la vie, ça peut être intéressant. Maman, le wafer c'est forcément intéressant. Et en même temps, il me faut le damage up. Parce qu'à un moment donné, le problème de pas avoir assez de dégâts, c'est qu'on va mettre 6000 ans à faire boss rush et que ça nous coûte des points de perdre du temps. Bon là du coup on se traîne. Dans deux vagues on a récupéré notre item. Je voulais voir s'il pouvait me dropper un cœur rouge pour remplir le boost de stats, mais... Aïe. Mask of Infamy, c'est ce qu'il y a de pire. Et voilà, là on a un boost. D'accord. On tire à 3 en cadence de tir, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a explosé là? Le seul truc que je vois que ça pourrait être, c'est Bob's Brain. Enfin, le Bob's Brain avec Delirium, mais. Ouh, it was. C'est bon ça. Mais bon, quand même quoi, c'est pas chic. Ok. Putain, bordel, ça rajoute des adds de partout! C'est insupportable. Hop, tout le monde meurt, toi tu meurs. Ok, alors. Ouais, j'avais pas trop le choix là. Bon, il a tué les autres, donc c'est cool, mais. Alors, on frappe pas vite, hein. Ok, il est sur le caillou là, je peux littéralement rien faire. Et. Sérieux, le machin, je l'arrose, il n'a rien à faire, ça. Allez. Merci, Monstro 2. Je pense qu'il a... Bon, il a pas tué Loki, mais il lui a fait du mal. C'est bien là l'essentiel de sa mission. Mais non. Merci. On se débrouille, hein.
Ah mais sérieusement. Comment tu voulais que j'arrête ça? Ok, je sais pas s'il y a des trucs intéressants dans les runes. J'ai pas trop le temps là, hier. Plutôt cool ça. Si on arrivait à avoir un peu de vie qui traîne par terre, du coup, on va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de faire un truc manipulable. Pourquoi on vole toujours? Normalement, un petit vaisselle a craqué, mais... Peut-être que tant qu'on est dans la même salle, on le garde. Bon, peu importe. Sérieusement, entre celui à gauche qui spam en continu des tirs et le Death et War, pardon, qui balance des troll bombes partout en traversant la salle, c'est bien compliqué. Ok, on va essayer d'intercepter par là. Il était au-dessus, c'est pas grave. Tu vas t'arrêter, toi ? Putain, on va crever, quoi, à cause de ça. Gros champion qui arrose littéralement la moitié de la grande salle de boss rush, quoi. Ok, j'aurais peut-être pas dû la prendre maintenant, la vie, mais... Il y a un moment... on avait plus qu'un cœur, quand même, hein. Ça complique. Ok, toi tu me sautes dessus, tu me lâches un œil en même temps. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème, mais y'a un putain d'ad et les yeux sont toujours là forcément, ce qui est pas mort. Boum boum. Ok. L'ange blanc c'est un peu chiant, on sait jamais s'il va tirer droit ou en diagonale. Là, si on sort un Dark Bomb à la fin, c'est bien. Ok. Voilà. Lui, il peut nous tirer de la bombe zone, alors on reste prêt pour esquiver, et voilà. Ouais, il balance tout ce que t'as. Bientôt 25 minutes, on va pas attendre la fin quand même. Oula. Ok, jusqu'où elle est partie? Il est parti le tir de l'autre truc là. Il avait traversé l'équivalent d'un écran entier. Oh, c'est qui en face? Ok, d'accord. Le roi des chieurs. Et l'autre roi des chieurs. Ok, c'est pas moi qui ai fait ça, mais ça va. Ça c'est. Oui, ça c'est acceptable. Ok, donc, non, on va pas prendre la vie, même si elle voudrait qu'on la prenne. Ça c'est quoi? Two of Diamond. Il y a des Yera, il y a une Yera ici. Ça c'est Algis, on s'en fout. Ça c'est Ewaz, on va la laisser par terre pour la garder pour plus tard. Dagaz, c'est de la vie, on va pareil la laisser par terre. Et Black Rune, je ne sais pas, donc Yera. Ensuite, j'aurais pas dû faire ça, putain je suis con. Parce que là, les batteries, on pouvait peut-être faire des trucs cool. Mais non. The World, on s'en fout, parce qu'on va pas le garder de toute façon. Dagaz, Purity. Redagaz, Repurity. Algis. Le problème, c'est que j'aimerais bien utiliser Joker. Si je m'en sers, je pourrais pas garder les Ewaz. Et c'est ennuyeux. Bon, vous savez quoi? On va être joueur. On fait ça. Oh. Peut-être eu raison d'être joueur. Alors Mama Mega, on va être honnête, c'est pas très intéressant dans le contexte. Par contre, Black Candle, c'est toujours intéressant. BFF, c'est intéressant. Et on peut faire ça. On peut faire ça plus. Je sais pas ce qu'on peut avoir dans le Black Market, je l'ai tellement pas assez souvent. Il y a plein d'items bien, mais j'aimerais voir si on peut vraiment avoir un truc qui dépote, quoi. Parce que là, si on prend un item, il nous laisse à un demi-cœur. Donc, ça a intérêt à valoir le coup. Voilà. Voilà, on est à un demi-cœur. Et ça, c'est peu. Hmm.
On remonte. Normalement, ça nous ramène dans la salle de mom, donc c'est dommage pour les autres items. Et effectivement. Bon. Il y a moyen de continuer sur un truc cool. Bon, on a pris plein la gueule, on a un score ridicule. Je vais peut-être mourir tout de suite. Point positif, on a toujours un petit vaisselle qui est actif. Vu qu'on a plus de cœur rouge. Par contre, on peut mourir assez vite. Il suffirait que Little Delirium décide de faire boum dans notre bouche et on est mort. Et il peut faire ça. J'espère qu'il va pas faire ça. Il peut faire ça. Hop. Bon, sac aide pourra potentiellement nous aider. Oulala. Oulala. Faire trop. Ta-ta-ta. Vous savez quoi? On va garder faire trop. On peut potentiellement avoir quelque chose de sympa sur cet étage avec le deal. On pourra peut-être même le prendre si on a assez de vie. C'est pas impossible. Et si on a un truc pas sympa mais qu'on peut prendre, on pourra toujours faire trop justement pour avoir autre chose de sympa. Boum. Et boum. Non, pas boum. Boum. Ouf. J'avoue, là, la tension est un peu retombée depuis Boss Rush, mais on est quand même à 28 minutes, ce qui est moche au niveau chrono. Qu'est-ce que c'est ça? Punch up, c'est un choix. C'est un choix. Putain, on aurait un Dark Bomb tout à l'heure, ça aurait été la magie de Noël, quoi. Mais apparemment, chez Nicalis, ils connaissent pas la magie de Noël. Et les miracles. Ok. Me demandez pas pourquoi je ne suis pas mort, je n'en sais rien. Ta 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 ta. Toc. Bon, clairement au niveau du chrono c'est misérable, mais après peut-être que ça se passera bien. Ok, tac 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 tac. Black Rune. Si on a un piédestal qu'on ne peut pas prendre à un moment, qu'on ne veut pas prendre, on y pensera. Toc. Nope, nope. Le fait de voler, que c'est pratique dans ce genre de situation. Je suis un voleur, car je vole. La blague la plus nulle de l'univers. En 2018, refaite. Mais c'est exactement la même qu'avant, oui. Ok, ok, je suis invincible, je peux donc faire le kick. Push, push. On va quand même finir l'étage et on va voir le deal with the devil. Il va conditionner pas mal de discussions sur cet... Oh, bordel, matriarche. On va perdre plein de vie, c'est comme ça que ça se passe avec la matriarche. Peut-être. Pour l'instant, on a de la chance, mais voilà. Les petites larves café qui peuvent tirer d'autres petites larves indestructibles, elles traversent la salle, des fois, à la vitesse de la lumière. Deal with the devil, HPE. Je vois la correspondance. Oh non! Ça, c'est triste, c'est très très triste. C'est très 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 très. Parce que du coup on a un HP up, alors on a des stats, c'est bien, mais... du coup... C'est un peu dommage, parce que du coup, est-ce que je garde Joker ou perds trop? C'est assez compliqué. Vous savez quoi? On a des sous. Lui, il peut me donner un piédestal. Ce sera probablement un piédestal genre HP up, s'il le fait bien sûr, et ça se reroll. C'est pas HP up mais c'est pareil. C'est guillotine, c'est donc nul. Donc deuxième perpro, si c'est nul, pardon. Si c'est nul aussi, Black Rune, et c'est un boost de stats, et comme ça on peut peut-être continuer. Après, s'il y a une cellule sacrifice dans cet étage ou dans le prochain, il faudra avoir beaucoup de vie. Mais bon, c'est un... C'est vrai qu'avec deux cœurs rouges, on pourrait facilement s'assurer d'avoir de la vie. Ok, donc ça, on va le prendre. Ça fait jamais de mal. Ça, The World. Prochain étage. Bah non, pas prochain étage, parce qu'on va garder The Joker, donc...
Ouais, je sens que ça va pas être le run transcendant en termes de score. Il y a eu des trucs un peu rigolos, modérément on va dire, mais bon, par rapport à la sécheresse de ces derniers jours, ça va. Mais ouais, ça va pas être facile. Ah, t'es... Aïe. J'allais dire, cette fois-ci, j'essaye de la faire correctement. Bah non. Apparemment, non. Ok. C'est magnifique. Magnifique. On n'a pas déjà eu Crawl Fest ? Non. C'est à l'étage d'avant. Et c'est nul. Par contre, ça se prend très bien avec Black Rune. Hop. Doum, 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 doum. Je reviendrai avec Black Rune après si c'est pertinent. Ok. Et donc, aïe. Tout ça pour perdre un cœur. Yes. That's what I meant. Black Rune, elle est loin. On s'en fout. On veut donner une chance au produit. Les pics devant les portes. C'est énervant parce qu'il n'y a rien de unfair. Je peux pas le reprocher au jeu. Je veux dire, je le sais qu'elle est là, cette salle. Je me le suis même mangé déjà tout à l'heure. Mais ça change rien au fait que je me la suis remangé, quoi. Et c'est d'une tristesse. Allez hop, on va quand même aussi faire ça, histoire de voir si on peut avoir un truc cool. Judgment, c'est semi-cool. C'est semi-cool. Dans le sens où on va chercher... Sérieusement. Parce que j'ai hésité, puis je me suis dit non, c'est pas celle-là, c'est bon, on peut y aller. C'était celle-là. Hop. C'était pas là. Cherche la salle secrète. Hop, 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 hop. Fantastique. Il est où Dark Bum? Eh ben, il est pas là. Qui c'est qui a pas pris Cambion Conception tout à l'heure? Qui aurait potentiellement pu dropper Dark Bum? C'est moi. C'est moi qui ai choisi. Bon, dernier étage. Est-ce qu'on va trouver une salle du sacrifice? Est-ce qu'on va avoir assez de vie pour la faire? Est-ce qu'on va remonter au score de façon phénoménale et fulgurante? Est-ce que ça va être un run qui se finit sur 20 000 alors qu'on va jusqu'à 8 lives? Les paris sont ouverts. Bon, 20 000 ça m'étonnerait, mais bon, quand même déjà bien compliqué. Tac, 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 tac. The Lovers. Utile. Bam, bam, nam, nam, nam. J'ai cru que ça allait m'exploser dessus. Et voilà. Puisqu'on y est. Mouais. Pas transcendant tout ça, hein. On a de la vie au moins, ça. Pas assez pour un deal, enfin pour une salle de sacrifice. Mais on en a. Canon. Yera. C'est Death List ça? Non, c'est les cavaliers ça. C'est les cavaliers, c'est nul. Allez, on va prendre Atamé parce que. Disons que. Potentiellement. Vu que je me fais toucher encore. Après, on a récupéré un petit vaisselle. Peut-être que ce sera bien. Allez. Allez. Il faut savoir que ces ennemis ils commencent leur ouverture avant que l'animation ne se fasse. Ce fait qu'en fait, dès qu'ils t'ont vu, s'ils pouvaient s'ouvrir, ils vont s'ouvrir. Et donc du coup, tu peux assez facilement commencer à tirer alors qu'ils sont encore fermés. Ça leur fait pas de dégâts, mais ils vont, au moment où ils vont être ouverts, ils vont s'en prendre plein la tronche. Quoi. C'était une stratégie que j'applique sur un des rares ennemis que je maîtrise. Vaguement. Peut-on vraiment maîtriser les choses? C'est un conseil. Tac, tac, Dagas, Purity, HP up.
Le boss est là, direct. Nope. Mais c'est quoi ces rebonds? Oh là là. Alors, le boss est là. Si on pouvait trouver tout le reste, y compris une salle du sacrifice, avant... J'ai failli, hein. Avant de terminer l'étage, ce serait sympa. Allez, allez. Non, bien sûr, hein, des HP, enfin des cœurs gris. C'est compliqué. On est invincible, on est invincible, il faut foncer, on est invincible. We are invincible. Et on l'est plus. Ping. Ok. C'est toujours possible une salle du sacrifice, hein. Utile avec la foi dans dans la voie. Mais on va prendre ça parce que. Pourquoi pas? On est encore invincible. Là, le machin il va tellement vite quand il peut pas, que nos larmes ne le rattrapent pas, pourtant elles vont bien. Alors LG ça dure genre une minute. Je suis pas inquiet. Voilà. Ok. Bercano. Pourquoi pas. Eh, n'empêche que s'il y avait une salle du sacrifice, on aurait de quoi la jouer peut-être. J'ai encore l'espoir, mais honnêtement là, ça me semble un peu compliqué. Parce que si elle est pas là, bah y'en a pas. Après y'en avait pas non plus à l'étage d'avant. Et du coup, c'est un peu pourri. On avait peu de chance d'y arriver du coup. Ah, elle est plus loin, je veux dire. Bon, on a déjà pété un shopkeeper. Ouais, 40%, je pense qu'on a déjà pété un shopkeeper. C'était probable. Hop, hop. Bon, bah on va finir l'étage, hein. On va aller chercher la salle secrète parce que... De toute façon, le score étant ce qu'il est. Bah voilà. Donc on va commencer par là-haut parce que... Le jeu étant ce qu'il est... C'est-à-dire complètement tordu. Voilà. Super. Ravi d'être venu. Hit Lives. Bon, on va le tuer. Comme ça. Le dry baby d'occasion arrête les tirs devant moi, donc c'est cool. Deal with the devil. Oh, quelle surprise. 29 000, quoi. 29 000. Écoutez, demain c'est dimanche, on aura un bon run. C'est pas un mauvais run, là, mec. Mais 29 000. C'est un run à 29 000.